Hello les filles, on se retrouve pour du action, encore une fois. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de vous unboxer un calendrier de l'Avent. Donc j'ai trouvé, et je suis super contente et super excitée, j'ai trouvé le calendrier donc de l'Avent, Max & Moore, calendrier beauté. Donc écoutez, j'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, voilà, je voulais pas me spoiler. Je voulais découvrir ça avec vous, donc en direct. Donc écoutez, on va l'ouvrir tout de suite. Là, il y a quelques produits quand même mentionnés, mais voilà. Sinon, pour le reste, on ne sait rien. Et je suis très contente de l'avoir trouvé ce matin. Donc, bah écoutez, Parti, on y va. Alors, il coûtait 12,95 €. Papier au-dessus, il est vraiment beau, quoi. Franchement, mais moi, j'adore ce bleu, cet or. Ouais, c'est très féerique, très noélique. Voilà, on a envie de l'ouvrir. Et bah écoutez, c'est parti, alors on y va. Alors, ça s'ouvre comme ça. Oh, c'est joli. Donc voilà, donc, ça s'ouvre comme ça. On voit un paysage au loin et vous avez les petites cases juste en dessous. Voilà. Mais franchement, sympa quoi. Très sympa. Donc c'est parti, on ouvre la première case. Donc la première case, où est-ce qu'elle est? Eh ben, elle est là. Alors, est-ce que c'est facile à ouvrir? Bah écoutez, oui, ça a l'air plutôt pas mal. Alors, je vais faire de l'autre côté. Et donc, ouh, sans le casser, ça serait pas mal. On ouvre notre première fenêtre. C'est parti. Et à l'intérieur, ouh, je vois. Ça va me plaire. Ouh là, il y a le chat qui arrive aussi. S'invite sur la vidéo, le chat tout le temps. Oh, ah, ça va être sympa. Ça, c'est les couleurs que j'aime en plus. Ça doit être pour les yeux. Alors. Très sympa, je vous le montre un peu mieux. Voilà, ça c'est la première case, Max & More. Sympa, on va faire un petit swatch là pour vous montrer. Ouais, super. Moi j'adore, ça c'est les couleurs bah, qui vont à tout le monde, hein. Donc ça c'est chouette. Ils ont pensé à tout le monde, voilà, là vous voyez bien. Donc voilà pour la première fenêtre. Je vais m'essuyer sur un petit mouchoir. La première fenêtre. Ensuite, bah la deuxième, c'est parti. Alors la deuxième, elle est où? Où est-ce qu'elle est la deuxième? Elle est là. Donc, c'est parti, on ouvre la deuxième. Donc hop, on appuie, on tire. Deuxième fenêtre. Oh, ça, c'est un taille-crayon. Bah écoutez, on en a toujours besoin, des taille-crayons. Petit taille-crayon bleu, moi j'en avais qu'un en plus. Eh bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est parfait. Je valide aussi. Ensuite, la 3. Ouh, la 3 est énorme. Regardez, je vous montre. Elle est tout en haut. Ici. La 3. Qu'est-ce que ça peut être? Pensez peut-être à une palette, quelque chose comme ça. On ouvre. On voit. Donc, à l'intérieur, ce sont des petits patchs, très certainement. Des petits patchs. Tout doré, tout irisé comme ça, et c'est marqué oui, donc c'est hydrogel under eye patch, donc des petits gels à mettre sous les yeux, et c'est vegan. Ouais, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de produits vegan, donc ça c'est plutôt chouette aussi. Bah écoutez, on essaiera ça aussi, super sympa. Alors là, si on regarde, ça a l'air de bien tenir sur la paupière. Là, j'arrive pas à l'enlever, donc on essaiera aussi ça. Allez, c'est parti pour la 4 du coup. Donc, la 4, elle est ici. C'est petit. Hop, la 4. Alors, on ouvre. Je vais essayer de faire ça correctement parce que je galère depuis tout à l'heure. Oh, vous voyez. Et c'est une crème blush de la même couleur, je pense, quasiment. Crème blush, super. C'est sympa ça. J'adore. Ouais, ça ressemble un petit peu à la couleur, hein, là. On est d'accord ou pas? On va voir, on va faire un petit swatch sur la main. Ouais, ça j'aime bien, ça c'est le genre de choses aussi que j'aime bien. Ça c'est des couleurs qui me vont bien en général. Donc c'est plutôt cool. Donc, voilà. Ouais, ça fait sympa aussi. Ouais, ça va être chouette ça. Ça a l'air de bien s'appliquer. Il n'y a pas trop d'odeur. Super. Voilà. Bah, écoutez, c'est pas mal. Pour l'instant on est bien. Moi j'adore, hein. Je valide à 100%. Hein. 12 euros. Top top. Hein. Donc on en est à la 5. Bah la 5 c'est facile. Elle est juste à côté. Pas très loin. Ici. C'est petit aussi. Qu'est-ce que ça peut être?
sais pas. On va voir ça tout de suite. Ah, une petite éponge Beauty Blender. Elle est trop chouette, elle est trop mignonne, elle est toute petite. Ça, c'est bien pour appliquer peut-être l'anti-cerne ou des choses comme ça. Elle est trop mimi, c'est un petit parme. Oh, j'adore. Franchement, j'adore ce calendrier. Pour l'instant, c'est top. Voilà, c'est pas cher et ça a l'air... Enfin, c'est que des choses utiles, quoi. On est, voilà, ça, j'adore. Petit crayon hyper utile, petit taille crayon. Ça, c'est des petits soins. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de tout. Petits soins comme ça. Alors, on continue. Et on passe donc à la 6. À la 6, à la 6, je ne la vois pas. La... Ah oui, ah, c'est la grosse, là. Alors là, c'est pas mal. Hein. Ça va être peut-être une palette. Ah ouais, une palette. Non, c'est trop petit, je pense, pour une palette. Ah ouais, je vous montre. Sympa. Pour les ongles. Pour les fêtes. En plus, moi, j'aime ces couleurs-là. Donc, eh ben, j'ai envie de dire, c'est bingo. Ah ouais, c'est super sympa, ça. Alors, faut voir ce que ça donne. J'ai jamais appliqué ces choses-là sur les ongles. Alors, ça peut être simple comme une galère, hein, je pense. Ça dépend. Ensuite, là, je me suis un peu acharnée sur la fenêtre, quand même. Ensuite, on a le... Après le 6, on a le 7. Et le 7, le 7, le 7 est là. Donc, c'est pareil, c'est une grosse case. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est parti, on ouvre. Oh, ça aussi, j'aime bien. Un petit miroir, très certainement, de la même couleur que le calendrier, Max & More. Alors, est-ce un... Oh, attendez, je sais pas trop ce que c'est, je l'ouvre. Je vous montre déjà. Moi, j'aime bien les couleurs, hein. Ça, c'est totalement mes couleurs. Je valide aussi. Ouais, j'ai toujours besoin d'un petit miroir dans le sac à main, dans la poche du manteau. J'adore. Alors, maintenant, on est au... À la huitième fenêtre. Alors, la huitième fenêtre, je découvre avec vous. Et elle est... Eh ben, elle est là, tout en bas. Pareil, ça a l'air quand même assez gros. Franchement. Je suis trop contente. J'adore ce calendrier. Je savais que j'allais l'adorer, mais... ça se confirme. Ah, par contre, je galère à l'ouvrir. Moi, j'ai pas d'ongle. Donc... Voilà. Oh ouais, ah bah ça j'aime bien aussi. Ah bah voilà. Une petite... Alors qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est du highlight, c'est ce que je me disais. Du highlight doré. On va essayer ça ensemble. J'adore. Franchement la couleur elle est top aussi. Non, super, hein. Il n'y a pas à dire, je monte de plus près, savoir si c'est mieux. Voilà. Moi j'adore, je valide à 100%. Pour l'instant, ça c'est le genre de choses aussi que je mets facilement. Voilà, on voit que c'est là. Alors moi, faut pas que ça brille trop non plus pour ressembler à une boule à facettes. Mais c'est là. Et c'est très joli. Très très joli. Après la 8, on a le 9. Et là, elle est là. Elle est assez grande celle-ci. Qu'est-ce que ça peut être? Un soin? Un rouge à lèvres? Un gloss? Alors je l'ouvre. J'essaie de l'ouvrir avec vous en même temps. Hop. Ah, ouais, c'est un gloss. Un gloss, lip gloss. La couleur, moi, me convient aussi parfaitement. Moi, je mets pas de rouge, je mets pas de couleur trop pétante. Donc, bah, c'est parfait, quoi. C'est parfait. On peut même le mettre sur les lèvres. On va essayer, sur mes petites lèvres. Ouais, j'adore. Et ben, top. Bravo, impeccable. On voit qu'il est un petit peu irisé aussi, le gloss. Bah oui, de toute façon. Mais il est très joli. Un petit gloss un peu couleur bébé, là, comme ça. Rose bébé. On adore. Alors, ensuite, on arrive à la dixième fenêtre qui est... Oh là, ça sent le crayon. Le crayon pour les yeux. Crayon à sourcils, quelque chose comme ça. À mon avis, c'est ça. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc, hop. Alors, oui. C'est un crayon. Bingo. Et c'est une couleur que j'aime, que j'adore même. Par contre... Ah ouais. Et alors, par contre, je ne les connais pas du tout, les crayons Max & More. Hein. Ça, je ne sais pas ce que ça vaut. Et non, je vais vous faire un petit swatch là. Ouais, ça, c'est prune et tout. Moi, j'ai les yeux verts, donc prune violet, comme ça me va très bien.
Bah, il était fait pour moi en fait, ce calendrier, c'est top. Donc, bah, écoutez, ça va être un test et je valide aussi. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais dire que ça pendant toute la vidéo. Mais c'est vrai, j'adore, j'adore. Après, le 10, on a le 11 et elle est énorme. Elle est ici. Alors, moi, j'attends la palette. Peut-être une palette de fard. Alors, c'est parti, on ouvre ça. Je vous montre en direct. C'est parti. Ah, j'arrive à bien l'ouvrir. Oh, oui, ça sent la palette, ça. Ça sent la palette, non? Ah. Alors je vous montre, hein, on découvre. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, du papier. Oui, d'accord. Ah oui, ça c'est quand on transpire pour éviter de briller. On met un petit papier comme ça pour. Ah oui, d'accord. Pour éviter de briller. Ah, voilà, c'est fait. Non mais j'adore. Franchement, il y a un peu de tout, c'est top, hein. Il manquerait plus qu'il y ait une bougie, je serais comblée. Non, mais non, ça je valide, hein. Ça j'en ai pas. Hein, dans le sac, mesdames, je pense qu'on a toutes besoin. Hein. Top, top, top. Bravo. Alors, après la 10, 11, on a fait. Maintenant, ça sera la, bah, la 12. La 12, la 12. Elle est là. Elle est toute petite, la 12. Toute petite, petite. Hop, qu'est-ce que c'est? Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Je sais pas ce que c'est. Peut-être pour mettre sur les ongles. Je pense que c'est pour mettre sur les ongles. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Oui, je pense que c'est pour le mettre sur les ongles. Je vois pas où ça peut se mettre ailleurs. Sur le visage, parfois, on peut mettre des petites choses comme ça, mais je vois pas l'intérêt de mettre des étoiles ou des flocons comme ça. Donc oui, pour les ongles. 13. Et la 13 est ici. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? 13. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous la 13? Beauty Blender, de la même couleur que l'autre, on dirait, mais sauf que ça a l'air d'être plat. Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à le choper. Ah, sympa. Ah oui. Oh oui, ça sent l'ustensile pour nettoyer les pinceaux. Trop bien, de la même couleur. Ah ouais, mais ça, j'en avais pas non plus. Bon, c'est super chouette, c'est tout mimi. C'est tout mignon, tout petit. Ferme une petite lèvre, une petite bouche. On adore. Ouais, j'adore ça. Je valide aussi. Ouais, on a le 14 qui est là. Alors, est-ce qu'on a quelque chose pour les sourcils? Un eyeliner? Qu'est-ce que ça peut être? Alors, hop. On va essayer de pas tout casser. Je n'y arrive pas de ce côté-là. On va essayer de ce côté-là. Voilà. Voilà, ça arrive. Ah, par contre, je casse un peu le truc. Je m'y prends pas très bien. Oh, un autre crayon. Doré cette fois-ci. Crayon pour les yeux. Doré. Il est super sympa aussi. Hein. J'adore. Voilà, c'est super joli. Ouais, ça peut être sympa. Je sais pas si je mettrais ça, mais pourquoi pas. À essayer, à tester. En tout cas, c'est une bonne idée. Voilà, pour les fêtes. Petit peu de doré, sympa. Voilà, donc 14. Écoutez, après le 14, on a le 15. Et le 15 est où? Est ici, une petite fenêtre. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a sous la 15? J'arrive bien. Ah oui, d'accord, oui. Je m'y prenais mal jusqu'à présent. Oh, bah on dirait encore la même chose que tout à l'heure. Un highlighter encore? Ah non! Ça, c'est les yeux. Un petit fard pour les yeux. Doré. Ouais, sympa ça aussi. Ouais, j'aime bien. C'est un espèce de bronze celui-là. Ça, j'aime bien aussi. Très joli. Et il est très crémeux. Hein. Crémeux, il est très agréable à appliquer en tout cas. Et je crois qu'il fait son effet hein, quand même. On le voit bien là à la caméra. Non, ça va être vraiment sympa. Elle me semble. Moi j'adore. Hein. Je valide encore ce petit bronze fard à paupières. Il est très agréable à appliquer. Il est un peu crémeux. Ouais, c'est sympa ça. Allez, on continue, c'est parti. Il nous manque quoi? Nous en sommes à la 15. Alors la 16, elle est où? Oh, elle est ici. Bon, ça sent le crayon pour les yeux ou pour les sourcils. Et ta-da-ta-ta-ta, ça va être.
qu'est-ce que c'est? Par contre, j'ai du mal à l'ouvrir correctement. Après, il ressemble plus à rien, le calendrier. C'est dommage. Ouais, ah non, ça reste là. C'est un petit pinceau. Voilà, ça, c'est pareil. On en a toujours besoin. Petit pinceau à plat pour appliquer à plat les fards. Ah bah très bien, je vais te dire. Ça, c'est super aussi, hein, pratique. Hein. On en a toujours besoin, on n'a jamais assez. Après, on a la 15, 16. Nous passons à la 17, ce qui est ici. Bah oui. C'est grand, ça me plaît. Allez, on essaie de le faire ensemble. Ah, voilà, c'est bon. Ah, c'est pour les ongles encore? Peut-être. Il va falloir que je fasse mes ongles, moi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, je pense que ça va être pour les ongles, ça. C'est bien pour les ongles. Alors, la 17, puis la 18, qui est ici. La 18, oh! Ah, une base pour faire tenir les fards, je pense. Et ça, j'en ai pas, j'en ai plus. Et je connais pas, donc c'est top. Eye primer, oui. Ah, sympa le petit embout comme ça aussi, pratique. Voilà, la crème. La base, bon ça il en suffit peu. Hein. Hop. Pour faire tenir les fards, c'est parfait. Écoutez, on essaiera. Eye primer, je pense que c'est ça, hein. Je dis pas de bêtises. Ouais. Ensuite, on passe à la 19 qui est tout en bas, ici. Oh. Bon, ça, je sais pas si je vais. Ouais, ça, je suis pas fan. Petit goodies, bracelet, bon, ça, c'est plus pour, je dirais, une petite fille. Bon, en tout cas, moi, c'est pas mon style. Mais je donnerai à quelqu'un. Je trouverai. Il n'y a pas de souci. Et la 20, on s'approche du 24. La 20 qui est ici. Ça sent le gloss ou quelque chose comme ça encore, non? Ou le rouge à lèvres. Ah non. Alors ce que j'aime bien, c'est que tous les petits goodies comme ça, ils les ont mis de la même couleur. Je trouve ça cool, ça. Ça fait un petit ensemble. Et là, c'est une lime à ongles. Bon, bah ça, j'ai envie de dire, c'est top aussi. Hein. On en a tous besoin, toutes. Voilà. Donc, on a le Beauty Blender. On a le petit ustensile pour laver les pinceaux. Voilà. De la même couleur, lila, super joli. Et on passe à la 21, qui est où? Là, la petite case 21. Alors... qui est... Ah. Oui, j'ai réussi. Ah. Qu'est-ce que c'est? Lip and Cheek. Alors, pour les lèvres... Oh, il y en a beaucoup, hein. Et pour les joues... La couleur est sympa, hein. Ça peut servir de... Comment ça s'appelle? Ouais, j'adore la couleur aussi. De, comment on dit, de fard à joues et pour les lèvres. Bah moi ça c'est mes couleurs encore, donc j'adore. Non, c'est super, ça fait les deux en plus, double fonction. Non, oh, il est chouette, hein. Top, c'est couleur rose numéro 288. Ouais. Nous avons la 22. Donc on a bien fait la 21, donc la 22 qui est ici. Donc une belle fenêtre, une belle case. Hop. Ah. Ouh, c'est quoi ça? Face sheet mask. Ah, un masque, super. Toujours dans le thème là, féerique, noélique. Sympa. Un masque donc pour le visage. Sur le thème, voilà, on adore. 23, j'ai essayé un masque justement hier soir, les masques à la propolis là que j'avais montré dans mon dernier haul, et super aussi, hein. Je l'étais bien imbibé, j'avais la peau un peu toute rebondie juste après. Oh, la 22, la 23 pardon, je vous montre la 23.
on a ce petit tube. Voilà. J'ai toujours du mal à les attraper. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je le sens. Ah, voilà, ça y est. Ah, du gel pailleté pour le visage ou pour le corps. Ouais, sympa ça. Pour les fêtes, c'est top aussi. Ils ont pensé à tout, hein, Max & More. Alors, on essaye ça sur un petit swatch là. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais. Ah, c'est joli ça. C'est joli comme tout. Ça sent pas grand chose. Mais écoutez, hein, avec ça, on va briller de mille feux. Hein, c'est top. Ah oui, il y a des belles paillettes. Hein. Bon, faut appliquer légèrement quand même. Hein. Bon. Sur les épaules, ça peut être sympa. Mais sur le visage, un peu moins, je pense. Bon. Pourquoi pas, hein, remarque. Mais. Et on passe, donc on a fait 22, 23, et on passe à la case 24, donc normalement le truc un peu sympa de Noël, qui est ici. Et moi je pense à la palette, je sais pas vous, j'espère. Et donc on ouvre ensemble la dernière case, et il s'agit bien d'une palette, et les couleurs, j'adore, donc autant vous dire qu'elle va me plaire. C'est du prune, voilà, je cherchais. C'est plutôt du prune. Voilà, on a des couleurs prune, marronné. Voici ce qu'il y a dans la fenêtre 24, donc la palette. Avec des couleurs un peu marronné, prune, un petit beige, des irisés. Mais ça, je pense que ça va me plaire. Moi, c'est totalement mes couleurs. Donc, ouais, on essaiera ça aussi prochainement. Donc, bah écoutez... Bah moi je suis ravie de tout ça. Il est vraiment, donc on a bien tout ouvert, non ? On a bien tout ouvert et franchement il vaut le coup, hein. Enfin voilà, 12 €. Il est super beau, moi j'adore les couleurs et puis j'adore ce qu'il y a dedans en fait. Il y a une palette, on a du glitter, on a un petit fard liquide à appliquer, on a un petit primer. On a des petits goodies comme ça, mais hyper pratiques dans la même couleur. Donc, Beauty Blender, lime à ongles, quelque chose pour nettoyer. On a le petit masque qui est très sympa. Ça, moi, j'adore. Les petits fards comme ça, le fard crémeux comme ça, il est top. Le petit goodies aussi, miroir, on adore. Ça, c'est le, pour moi, c'est ce que j'aime le moins. Bon, ça, c'est... Voilà, après, c'est... Chacun ses goûts. Ensuite ça, je pense que je vais l'utiliser aussi, le Lip and Cheek, c'est voilà, facile d'utilisation, ça passe partout, ça convient à tout le monde. Le petit fard doré pour les fêtes, mais pas que. Ensuite, bah, les petits crayons à essayer, mais celui-là va beaucoup me plaire, celui-là je verrai. Ça, c'est pareil, ça passe partout, c'est super. On a, alors ça c'était quoi? Ah oui, un petit blush crème, super idée. Voilà, tout ce qui concerne les ongles aussi, pourquoi pas. Hein. On a deux, trois, on a ça. On a les petits... je vais poser ça là. Ah, c'est collé, voilà. On a les petites étoiles. Oh, bah si tout est collé, on est bien. Voilà, on a ces petites choses-là pour les ongles, ça. Ça aussi, j'adore. En plus, c'est la couleur, ça me convient parfaitement, donc c'est parfait. C'est et ça aussi super, bah essayez quoi. Non, voilà, c'est... on a fini la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné peut-être envie d'aller le chercher. En tout cas, n'hésitez pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je pense, ça va vite partir. Et puis bah n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et puis à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et derrière ça, je vais faire 2-3 autres unboxing calendrier de l'avant. Donc il y aura plein de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.